Das hat jetzt für die Fraktion der Grünen, Herr Vorsitzender Lamberts. Comme la plupart d'entre nous, je n'ai jamais participé à un Conseil européen et donc je ne peux qu'imaginer à quoi pourrait ressembler celui qui va se tenir à Bruxelles en ce début d'automne 2016. J'imagine 28 chefs d'État et de gouvernement profondément secoués par les annonces de licenciements massifs à la Commerzbank, chez ING, chez Caterpillar, chez Alstom, surtout dans la perspective de cette nouvelle étude qui nous apprend que le taux d'emploi en équivalent temps plein en Europe plafonne à 75% dans les pays qui performent le mieux en Europe, pour tomber à 68% en Allemagne ou à 53% en Grèce. Je les imagine préoccupés par la lancinante progression des inégalités au sein de nos sociétés. Je les imagine inquiets. Inquiets après une nouvelle année record en termes de température atmosphérique et surtout après un mois de septembre qui est le plus chaud dans l'histoire de l'humanité, en tout cas depuis qu'on mesure les températures. Je les imagine horrifiés par les massacres perpétrés à Alep par l'armée d'Assad et par celle de Poutine, mais aussi par le décompte des morts en Méditerranée qui risque de faire de cette année la plus meurtrière sur ce front-là. Et comme je le disais, la Corée-Turquie, on ne peut pas dire que ça marche. Je les imagine réjouis d'apprendre que si avant l'été, un référendum a montré la progression des idées nationales populistes en Europe, un autre après l'été a montré qu'il restait au sein de nos sociétés des digues qui résistent. Mais pour combien de temps encore? Peut-être réalise-t-il que le pire n'est jamais sûr, pour autant qu'on sache se ressaisir à temps. Alors j'imagine la tournure que pourrait prendre leur débat. Il pourrait se dire que si le traité commercial avec le Canada pourrait bien profiter à quelques-unes de nos multinationales, ce pourrait bien être au prix de la perte nette de 200 000 emplois européens. Ce serait au prix d'une pression accrue sur nos agriculteurs qui déjà n'en peuvent plus. Ce serait au prix d'un nouvel accroissement du pouvoir des multinationales au détriment de nos démocraties. Et sachant qu'une augmentation des flux de commerce international va main dans la main avec une augmentation de notre empreinte écologique, il pourrait conclure que décidément, ce traité n'est pas la chose à faire. Il pourrait décider qu'au lieu de cela, l'urgence est à l'accomplissement de notre marché intérieur encore bien imparfait, un marché où la concurrence fiscale et sociale céderait le pas à la coopération et à la convergence vers le haut. Ils pourraient se mobiliser ensemble pour faire de l'investissement dans la transition énergétique le projet moteur de l'intégration européenne. Car ils savent que c'est bon pour le climat, c'est bon pour notre indépendance stratégique, c'est bon pour notre balance des paiements, c'est bon pour notre compétitivité industrielle et évidemment c'est bon pour l'emploi. Mais ils pourraient aussi réaliser qu'il y a urgence à repenser ensemble l'organisation du travail, notre fiscalité et notre sécurité sociale dans un monde où la révolution numérique libère l'humanité toujours plus du travail. Cela pour faire en sorte que les bénéfices de cette révolution industrielle ne soient pas confisqués par quelques-uns et ne laissent désormais aucun au bord du chemin. Il pourrait arriver à la conclusion, Monsieur Korchok, que l'endiguement n'est pas la réponse aux défis migratoires, mais qu'une Europe riche est capable d'être une terre d'accueil et de refuge, non seulement en préservant ses valeurs, mais en réalité pour leur être fidèle. Chers collègues, tout cela est peut-être le fruit de mon imagination. Mais je suis convaincu que loin d'être un rêve, tout cela est possible, à condition bien sûr de le vouloir. Et cette volonté, chers collègues, était totalement absente à Bratislava. Et donc la question qui se pose est... est-ce que cette volonté sera présente à Bruxelles? Je vous remercie.